Palais Adorno, situé à quelques mètres du Palais des Célestini, est un important édifice historique de la province de Lecce, peut-être parmi les plus représentatifs du XVIe siècle. Le hall d'entrée est à bossage en pointe de diamant et présente une magnifique voûte à lunettes, soutenue par des colonnes dont les chapiteaux sont riches de raffinés dessins de feuilles d'acanthe. L'entrée à la cage d'escalier est enrichie par des fausses colonnes rectangulaires qui terminent avec des gracieux chapiteaux. À nous, il y a une grande cadre rectangulaire qui contient l'écusson de la famille Loffredo di Capua. La dynastie est célébrée aussi à l'intérieur d'une niche où il y a les restes d'une fresque qui représente le mariage entre Cicco Loffredo et Lucrezia di Capua en 1557. Palais Adorno est situé au milieu de ce qui autrefois était la juiverie, c'est-à-dire les quartiers juifs de la ville de Lecce. La véritable synagogue n'était pas très loin, mais en 1540, Charles V a promulgué un édit, à la suite duquel elle a été démolie, et les juifs ont été chassés de la ville et du royaume avec l'accusation d'usure. Cette histoire est témoignée par une inscription sur pierre. Ceci n'est pas la maison dédiée, retrouvée dans les conduits souterrains qui collectent et déchargent les eaux des pluies. Selon certaines théories, l'inscription a été placée dans les conduits souterrains en signe de mépris. Une anecdote rend encore plus précis le palais Adorno. Au-dessous de ses fondations, accessible par un raide escalier intérieur, une longue et étroite rivière souterraine semble exister. C'est l'Idoume, le premier niveau de la nappe phréatique qui coule pendant des siècles sous les fondations des palais du centre historique de Lecce et qui remonte à la surface le long de la côte en direction de Torre Chianca.